Mécanique, c'est Jolatte, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Scrap Mécanique. J'ai encore déniché des constructions de malades, vous allez voir, c'est un truc de fou. Et si vous êtes chaud pour qu'on déniche toujours plus de constructions de malades, bah vous pouvez mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager, ça me fait plaisir. Tiens, regarde juste ça, par exemple, cette roue, c'est pas un truc de malade ça déjà? Alors, regardez ça franchement. Oh là là, c'est un truc de malade ça mon vieux. Regarde ça, regarde ça. Regarde ça. Non, en fait c'est de la merde, on se chie. Fous-moi la paix avec ça là. Il manque un truc. Bouge pas, je vais te la customiser façon jeu là, tu vois, il y en a pour 2 secondes. T'inquiète. Là mon vieux, impeccable. Et bah là je peux vous dire que si mes calculs sont bons, on devra atteindre la vitesse de la lumière en un temps record. En quelques secondes. Allez vas-y en voiture mon vieux. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hein? Bah, c'est délire. Attendez, bougez pas. J'ai la vitesse hyper lumière, c'est parti mon vieux. Regardez ça. Regardez ça mon vieux, je suis en mode élastique. Ouais, c'est délire. La catapulte humaine mon vieux. Oh putain, regardez ça. Il a carrément dépassé le mur du son le machin. C'est quand même mieux là. Hein? Faut avouer que quand même, là c'est mieux. Là c'est une roue digne de ce nom, tu vois ce que je veux dire? T'inquiète. Regardez, elle se casse. Elle est en train de se casser. Oh le délire. Non. Bah j'ai tout pété. J'ai tout pété mon vieux. Je crois qu'elle est... Elle est dead là? Non? Un petit peu quand même. Regardez ça, elle s'est foutue sur le côté carrément. Et franchement, si elle est pas badass cette roue comme ça là? Alors, on va l'arrêter, on va l'arrêter. Elle est possédée mon vieux. Arrêtez là mon vieux, elle est possédée! Ouais vache! Ouais, laisse tomber. Bon, franchement, j'ai envie de dire que pour une première construction, ça décoiffe déjà d'entrée de jeu. C'est délire, regardez-moi ça ce que je viens de trouver. C'est un truc de malade mon vieux. Ça m'a attiré l'œil. Gardez-moi cet engin. Gardez-moi cet engin de la mort mon vieux. C'est un truc de malade. Attends. Bien fait. Attends, comment que je fais pour monter? Je vais essayer de monter. Oh, je suis monté. Oh, excellent. C'est délire. Wouh. Putain. Laisse tomber, mon vieux. J'ai tout pété, ça y est. J'ai tout cassé déjà. Attendez, vous croyez que je peux la prendre, la bosse, là? Ouais, ça se prend easy, ça se prend, ça. Easy, easy. Allez, vas-y, je la prends. C'est délire, je m'envole. On s'envole carrément, mon vieux. Ouais, vache. Regardez ce petit atterrissage. Contrôlé. Ouais, enfin contrôler. Ouais, vite fait quoi, tranquille. Et regardez ça, je sais pas comment que ça marche là, ce système d'amortisseur pour tourner. En fait, ça c'est un petit peu un bug. Je sais qu'il y en a pas mal qui font ça, tu vois. J'aurais dû la faire tourner comme ça, Marie-Madeleine. Mais j'y ai pas pensé, tu vois. Regardez ça, un petit saut de l'hyperespace, mon vieux. C'est délire. Bah, regardez ça. Alors là, regardez ça, c'est un truc de malade. Vous savez c'est quoi? Et bah c'est un labyrinthe. C'est censé être un labyrinthe. Mais bon. Easy, t'inquiète, mais arrête de courir, bon sang, putain, c'est chiant, mon vieux. C'est un labyrinthe, et en fait, bah, faut trouver la sortie. Je la trouve easy, il y en a pour 2 secondes. T'inquiète, regarde, tiens, tranquille. Ce délire, mon vieux, je suis complètement perdu. Je me suis carrément perdu, c'est un truc de malade. Par là, ensuite par là. Ah non, c'est un cul-de-sac, peut-être par là. Non, par là, par là, non, par là, c'est un cul-de-sac. Je vais la trouver, la sortie, je vais la trouver, t'inquiète. Oh, il commence à me casser la tête son labyrinthe mon vieux là. Je trouve même pas la sortie. C'est quoi ce délire? Pourtant ça a pas l'air bien grand. Alors? Ah regardez, regardez, je suis sur la bonne voie. Ça doit être par là. Regardez ça, on est sur la bonne voie. Oh putain, je vois une porte là. Ce délire. Attends, c'est peut-être l'autre côté hein. C'est peut-être un piège hein. Écoutez, on va passer par là tranquillement. Ça me saoule mon vieux, putain mais c'est pas vrai ça. Bah te la trouver moi la sortie moi mon vieux. Je vais te la trouver en 2 secondes la sortie, tu vas voir. Alors, elle est là la sortie. Hein? J'ai gagné ou j'ai pas gagné un petit peu là? J'ai gagné. Non mais attends, il y a une sortie au moins? Je suis sûr il y a pas de sortie. Regardez ça, il y a pas de sortie. Il y a juste une entrée. C'est quoi cette arnaque? Oh l'arnaque. En fait, il y a juste une entrée quoi, tu vois. C'est une grosse arnaque. Voilà, la sortie elle était là en fait. Et bah c'est bien, tu vois, je l'ai trouvé. J'avais dit que j'allais la trouver de toute façon. Alors là, je vais vous dire, j'ai trouvé un truc, mais laisse tomber. On est carrément dans le turfu, mon vieux. On est dans le turfu, regardez ça. Attendez, il n'y a pas un siège pour que je m'assoie quelque part, non? Putain, même pas. Attends, il marche au moins ce machin? Regardez ça. Regardez ça. Oh là là, le truc de malade, franchement. C'est un truc de taré. Regardez, attendez. Je vais faire un truc. Délire. Voilà, regardez. Regardez ça. Regardez comment qu'on est bien là. Comment qu'on s'est mis bien. Hein? On s'est mis bien là, hein? C'est un truc de malade quand même, franchement. Bon, et ben c'est bien. Allez, tu rentres à la casse-bas, mon vieux. Alors, celui-là, moi je vous le dis direct, c'est le moyen de transport du futur. Ouais, ouais, carrément. Vous allez voir. C'est un truc de malade. Et attends, je te dis, vous allez voir.
Faut déjà que je sache comment ça marche. Mais ça a l'air d'être bien. Ouais, j'ai vu sur la photo, tranquille. Attends, ça c'est pour faire ça. Parfait. Regardez ça, regardez ça. Ce délire. Putain, mon vieux, ça fait des bruits chelous. Regardez ça, mon vieux. En fait, c'est un espèce d'overboard. C'est un truc de malade. C'est pas un overboard, c'est un overcraft. Attends, si j'ai bien vu, il peut. Regardez ça. C'est pas magnifique, ça, franchement. Hein? Est-ce que c'est pas magnifique? On peut aller sur les côtés et tout. Bah! Bah voilà! Tiens! Ça y est! Bah il s'est barré le machin, mon vieux. Alors là, je vais vous dire ce que je vais vous montrer. On est en plein dedans. C'est la folie avec ça. Les Pokémon, Pikachu, Bulbizarre, attaque et tout le bordel là. Et bah là, regardez ce que j'ai trouvé. Alors. Hein? Elle est là ou elle est pas là, la sainte Pokéball, mon vieux? Elle est là! Et là, normalement, si j'appuie sur le bouton, ça devrait se transformer en un truc de malade. Laisse tomber. Je t'explique même pas. Et bah si, justement, tiens, je vais t'expliquer. Regarde. Je vais appuyer sur le bouton. Regardez ça. Ce délire, j'avais pas vu en quoi ça se transformait. Mais par contre, je savais que ça se transformait. C'est énorme. C'est dingue. C'est énorme. Regardez ça. Oh là 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 là. Laisse-moi monter. S'il te plaît, là. Alors attends. Oh, excellent. Je suis à l'intérieur de la Pokéball. Ok. D'accord. Très bien. Wow. Mais c'est excellent là-dedans. D'accord. Donc, 1, c'est pour faire ça. 2, c'est pour faire ça. 3, c'est pour faire ça. 4. Ah yes! Ok, d'accord. Donc, alors attends. 3 et 4, c'est pour avancer. Oh yes! Ah ouais, on peut se diriger et tout. Non, mais c'est génial! On va faire un truc de malade. On va se retransformer en Pokéball, mon vieux. Regarde. Merde! Oh merde! Merde, j'ai tout pété! J'ai tout cassé! D'accord. Oh le délire, j'ai tout cassé. Arrête le massacre, arrête là. Et bah voilà, tu vois, tranquille. Vous avez vraiment cru qu'on allait s'arrêter ici? Et bah bien sûr que non, puisque j'ai une deuxième Pokéball, mon vieux. Et là c'est un truc de malade, regardez ça. La sainte Pokéball, mon vieux. Mais arrête de courir, putain, qu'est-ce qu'il est chiant avec ça. C'est super chiant. Ah, celle-là elle se transforme pas, d'accord. Attendez, y a pas d'autre interrupteur ou je fais le tour? Non, y a qu'un interrupteur. Ah ouais. Vas-y, ça fait quoi si on rentre là-dedans? Putain, ça a l'air d'être bourré de connectique là-dedans. C'est quoi ce délire? Attends, arrête-toi, ça fait quoi si j'appuie sur 1? Oh, regardez ça! Oh! Oh, mais c'est énorme! C'est énorme! Regardez ça! Oh my god! Regardez! Oh putain, quand t'appuies sur 2, ça fait un truc de malade aussi, là. C'est énorme. Oh putain, regardez ça. Oh le truc de taré. Et regardez, hop là, retransformation Pokéball. Ouais, c'est énorme, franchement c'est énorme. J'adore, GG. Alors là, j'ai deux saintes constructions à vous présenter. Mais vraiment, c'est des saintes constructions. Et ouais, parce que la dernière fois dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit: tiens Jolate, je t'ai fait une petite construction, t'iras voir dans le workshop, tu taperas Jolate. Effectivement, j'ai tapé Jolate et je n'ai pas trouvé juste sa construction, mais j'ai trouvé deux saintes constructions qui m'étaient destinées. Donc merci à vous, ça fait plaisir. Alors nous avons Anthony Royal 11. Anthony, spécial dédicace à toi. Il a refait le Saint-Bus. Il a refait le Saint-Bus. C'est un truc de malade. Et en plus, il l'avait fait comme je l'ai dit la première fois, c'est-à-dire qu'il l'a fait sur deux étages. C'est un truc de malade. Donc on va le visiter un peu. J'ai pas eu encore l'occasion de le visiter. Donc il nous a refait quoi? Il nous a refait la soute à bagages. GG Anthony, GG, GG. Ouais, franchement, bien. Il nous en a fait une de l'autre côté. Yes! Oh franchement, ça déchire. Oh, c'est un truc de malade. Et franchement, il est encore mieux que le mien. Il est encore mieux que le mien. Tu l'as super bien fait. Franchement, c'est un truc de malade. Ah ouais, regardez les portes et tout. Il déchire. Il déchire carrément. Attends, on peut fermer par contre? Ça c'est quoi? Oh, j'ai ouvert un truc avec ça. Ce délire, c'est quoi ça? Oh, tranquille, tranquille, tranquille. Bon, on va continuer à le visiter parce que apparemment il nous a fait deux étages. Donc, oh, c'est excellent, franchement. Oh, GG! Les toilettes et tout, franchement, bien, 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 bien. Et en plus, il nous les a fait roses, hein. Franchement, GG Anthony. Ouais, ouais, ouais. Ah, moi, là, oh là là, regardez ça, il nous a fait deux étages. Comment je kifferais en vrai monter dans un bus à deux étages? On va l'essayer. Alors, un, ça fait quoi? Parfait. Deux, ça fait quoi? Oh! Oh!
Attendez, il y a un coffre? Ah ouais, ok, d'accord. Ah, c'est là qu'il a fait toute la mécanique. Oh, laisse tomber, il a mis des moteurs partout et tout. Oh, ce truc de malade. Oh putain, puis il roule bien mieux que le mien, mon vieux. Il roule bien mieux que le mien. Oh putain, par contre, il se couche bien mieux que le mien aussi. C'est un truc de malade, ok, d'accord. Bon, en tout cas, Anthony, GG à toi, dédicace. Et merci, ça fait plaisir. Alors, pareil, une autre scène de construction. Elle a été faite par Atitse. Celle-là, elle n'était pas prévue, je l'ai trouvée comme ça par hasard. Et on va tout de suite découvrir ensemble. 5-4-4. C'est un truc de malade, mon vieux. C'est un truc de malade. Tu sais à quoi ça me fait penser? Honnêtement, ça me fait penser au premier Monster Truck que j'avais fait. Tu vois ce que je veux dire? Pareil. Ah, et il était beau, mon Monster Truck. Ah, j'en suis fier. J'en suis super fier, mon vieux. Ça ressemblait tout à fait à un Monster Truck. C'était comme ça que je le voyais. D'accord. D'accord, d'accord. Oh, comment ça déchire. Regardez ça. Regardez ça, comment que ça déchire, mon vieux. Oh là là, comment ça déchire. Regardez ça. Regardez ça, c'est un truc de malade. Oh là 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 là. Regardez, avec le pare-choc rose et tout, les couleurs elles sont harmonieuses et tout, c'est nickel. Bon écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo avec ce magnifique plan sur le véhicule de Anthony et de Atitse. Et franchement, ouais, ça déchire. Alors merci les gars les filles, ça fait super plaisir. Vraiment, merci, c'est toute beauté. C'est de toute beauté. Ah ouais ouais ouais. Notamment, tu vois, j'avais pas remarqué, mais ces quatre petits canards devant, coloriés en rose. GG, franchement... J'aurais pas fait mieux. J'aurais pas fait mieux, tu vois. Si j'aurais pu changer une chose, vraiment une chose, j'aurais rajouté une chaussure ici, moi. Ouais, comme ça. Parce que franchement, ça fait bien. Juste une chaussure, c'est tout. Donc vraiment, merci à vous. Grosse dédicace. D'ailleurs, dédicace à tout le monde. Et puis si la vidéo vous a plu, bah vous pouvez mettre un petit like. Pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde. Bye.